Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans ce 11e épisode de Au coin du DVD. Épisode donc qui passe à la lettre E, une lettre dans laquelle j'ai beaucoup, 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 beaucoup de films que j'aime beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. Parce que il y a certains films qui m'ont profondément marqué. Et dans la lettre E, j'en ai retenu plusieurs. Il y a E.T. l'extraterrestre, il y a En cloque mode d'emploi, il y a Les évadés. C'est des films que vous connaissez. Ça, c'est des films sur lesquels j'ai pas forcément besoin de m'attarder parce que c'est des longs-métrages qui sont devenus cultes et au fur et à mesure du temps, qui sont même devenus des classiques, comme E.T. par exemple. Et il y a un film, par contre, sur lequel je me suis attardé, qui est très connu chez les Américains, mais pas tant que ça chez nous. J'en ai déjà parlé à une époque où je faisais beaucoup de vidéos et où j'avais envie, des fois, quand j'arrivais à un certain palier de vidéos, de parler de vieux films. Et j'avais notamment parlé d'Apollo 13, et j'avais parlé d'un autre film sur l'espace. Un film qui, depuis, a eu de nombreux hommages rendus au travers de films comme First Man, ou même comme Interstellar, en un sens. Et c'est un film qui, pour moi, a une place très particulière dans mon cœur, parce que j'ai été, durant une longue période de ma vie, extrêmement fan de l'espace, à un point où je pense, comme beaucoup de gamins, j'avais envie de devenir astronaute, mais moi, j'avais vraiment, vraiment, vraiment très envie de devenir astronaute, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais une peur abyssale du vide, et que j'étais à moitié claustrophobe. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était pas tout à fait possible. Mais il y a un film en tout cas qui a bercé cette période-là. C'est L'étoffe des héros de Philip Kaufman. L'étoffe des héros de Philip Kaufman revient sur les tout premiers astronautes qui sont allés dans l'espace et qui ont fait les tests pour vérifier qu'une capsule pouvait bien tourner autour de la Terre, pouvait bien rentrer dans l'atmosphère, pouvait faire en sorte qu'un homme survive dans le vide spatial durant un certain nombre d'heures, pour pouvoir ensuite potentiellement imaginer envoyer quelqu'un sur la Lune. C'est un film magique. C'est un film très long, hein. On est sur 3h, 3h30 de long métrage. Mais quel film! Honnêtement, si vous n'avez jamais vu L'étoffe des héros, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez le voir. C'est un film qui est extraordinaire dans sa mise en scène. C'est un film qui est extraordinaire dans sa musique. C'est un film qui est extraordinaire dans ses acteurs, tous plus cultes les uns que les autres. Et je crois que dans le casting, je ne dirai pas des noms, mais il y en a plusieurs que vous allez reconnaître. C'est un film qui est magnifiquement écrit, c'est un film qui est magnifiquement mis en scène, c'est un film qui se sert très bien des images d'archives et qui en même temps a été extrêmement pionnier dans ses effets spéciaux, vraiment. C'est un film qui a réussi à prendre une partie de la technologie de Star Wars et de l'utiliser d'une autre manière. C'est un film sans lequel il n'y aurait pas eu les effets spéciaux d'Apollo 13. C'est un film sans lequel il n'y aurait pas eu de nombreux effets spéciaux d'ailleurs des années 80-90. Et le film a d'ailleurs reçu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux à l'époque. C'est un film qui est un voyage. Un voyage pas forcément dans l'espace comme on pourrait l'imaginer, mais avant tout un voyage humain. Un voyage qui cherche à nous faire comprendre comment ces hommes ont pu ressentir une certaine peur, une certaine passion, une certaine envie, une certaine tristesse, une certaines formes de folie, presque, on pourrait dire, dans cette envie de vouloir absolument aller dans l'espace, s'enfermer dans une cabine qui fasse la taille de, littéralement, des chiottes, et d'y rester enfermé pendant plusieurs heures, et de croiser les doigts pour ensuite rentrer sur Terre. Et c'est un film qui joue beaucoup sur la tension. C'est un film qui cherche le plus possible à faire en sorte que le spectateur comprenne ces hommes. C'est pas un film sur le côté extraordinaire du voyage dans l'espace, même si c'est un peu le cas, bien évidemment, parce que ça met en scène ça. Mais c'est avant tout un film profondément humain. C'est un film qui veut avant tout se rapprocher de ses personnages, les attraper, faire en sorte qu'on comprenne chacune de leurs émotions et surtout qu'on ressente pourquoi, à ce moment-là, ils ont besoin d'être dans ce type d'émotion. Et moi, c'est un film qui, encore aujourd'hui, me bouleverse quand je le regarde. Et j'ai beau connaître chacune des répliques, quasiment. Chacun des plans, chacun des retournements, chacun des différents avancements dramatiques et émotionnels des personnages, je peux pas m'empêcher d'avoir des frissons, d'agripper mon canapé, de me dire « c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer ?»« T'es con, tu sais ce qui va se passer, là, il se passe ça. » Je me fais embarquer et j'adore ce film. Je le trouve extraordinaire. Je trouve que Philip Kaufman, malheureusement, par la suite de sa carrière, il n'a jamais réussi à atteindre la flamboyance de l'étoffe des héros. Mais il faut savoir que Philip Kaufman, mine de rien, derrière, c'est quand même un scénariste qui est très réputé. C'est un des scénaristes qui a bossé sur les Indiana Jones, notamment. Et c'est quand même un mec qui, dernièrement, avait sorti un film qui, pour le coup, était
pas foufou. C'était un film sur Hemingway, je crois. Mais alors, franchement, pour le coup, ça n'avait pas marqué les esprits. Et je crois que la plupart des gens avaient trouvé que c'était assez catastrophique. Mais faut savoir que Philip Kaufman, c'est un mec qui a jamais réussi à se remettre en fait de la réussite de l'étoffe des héros. Et qui, par la suite de sa carrière, n'a quasiment fait que des redites ou n'a vécu que de ce succès-là. Et du coup, les gens n'ont pas forcément suivi. Mais heureusement, aux États-Unis, le film est devenu vraiment un film culte, voire même un classique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. À aucun moment, j'ai envie de remettre en cause quoi que ce soit dans ce film. Il a beau durer 3h30, je ne les vois pas passer les 3h30. Il a beau traverser des moments où c'est vraiment très très lent, où c'est limite de la comédie. Enfin, je veux dire, toutes les batteries de tests que se font les astronautes, c'est à mourir de rire. Il y a des séquences où ils se baladent avec une poire, où ils doivent traverser un hôpital pour aller aux chiottes. C'est juste à mourir de rire, mais vraiment. Et il y a d'autres séquences où, par exemple, quand Alan Shepard va vouloir pisser dans sa capsule parce que malheureusement, bah, ça met trop de temps à décoller, cette séquence-là, elle est extraordinaire. Mais ce film est tellement passionnant et galvanisant qu'on n'a pas envie de décrocher en sortant. On a envie de se dire, j'ai envie de rester. Et c'est pour ça que généralement, quand je finis de regarder l'Étoffe des héros, j'enchaîne avec Apollo 13, parce que ça me semble être la suite la plus logique. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi de faire ça, un de ces quatre, si vous regardez l'Étoffe des héros, enchaîné avec Apollo 13, vous verrez, le mélange se fait assez bien. Mais en tout cas, ouais, procurez-vous l'Étoffe des héros. C'est un chef-d'œuvre en puissance. C'est un grand film de l'histoire du cinéma, trop sous-estimé en France. Et il demanderait à être un peu plus regardé, parce que c'est vraiment une perle très rare. Ainsi s'achève ce 11e épisode de Au coin du DVD. J'espère qu'il vous aura plu, comme d'habitude, très certainement. Je l'espère profondément. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.